Monde du silence, grand bleu, abysse. Autant de noms évocateurs qui vous ont porté vers la plongée sous-marine. Votre baptême vous a fait pénétrer ce monde envoûtant et vous êtes déjà accro. Cette merveilleuse activité vous comblera de bonheur, à la condition de connaître et de respecter un certain nombre de règles. Pour d'évidentes raisons de température et de clarté de l'eau, les images de ce film tourné en fin d'hiver ont été réalisées dans les eaux des Caraïbes. Le hasard a voulu que cela coïncide avec une période de prolifération de plancton. Aussi, les plongeurs ont parfois nagé dans la soupe qui embrume un peu les images. Et plutôt que de s'en plaindre, réjouissons-nous que ce phénomène porteur de vie attire certains gros mammifères, et récemment un requin-baleine. Ce poisson, le plus gros du monde, se montre très rarement. Imaginez l'émotion que l'on peut ressentir, même chez un plongeur expérimenté, au contact de cette masse colossale. Cousin du requin blanc, le requin-baleine est absolument inoffensif. Sa large gueule aspire des centaines de litres d'eau, dont il retient le plancton ainsi que de petits poissons. Une grosse tache verte dans une grosse tache bleue. C'est ainsi que Lévi-Strauss avait vu la Martinique. Situé au cœur de l'arc antillais, c'est un pays au relief tourmenté. Aller quelque part, c'est toujours monter ou descendre. On monte au Gros Morne, on descend à Fort-de-France. La Martinique aime la diversité. Le climat y est tout en nuances. Humide et vert au nord, sec et doré au sud. Il est cependant une constante, la température moyenne de 26 degrés. Avant de nous mettre à l'eau, voyons le matériel. Vous connaissez le matériel de base, on dit PMT, pour palme, masque et tuba. Les palmes, elles assurent la propulsion. Vous ne les choisirez pas trop longues pour commencer. En effet, elles risqueraient de vous gêner au fond en raison de leur encombrement et pourraient vous occasionner des crampes. Le tuba, il vous servira essentiellement en surface. En haut, un crochet qui permet d'accrocher le tuba au masque. En bas, on note la présence d'une soupape. Le masque, votre masque. Vous choisirez celui qui sera le mieux adapté à la forme de votre visage. Pour l'essayer, vous procédez à une légère inspiration. Le nez, en silicone ou en caoutchouc, doit être souple de façon à vous permettre de vous pincer le nez sous l'eau. Il existe différents types de combinaisons. Manches et jambes longues ou courtes.
Vous trouverez également différentes épaisseurs. Vous choisirez celle qui sera la mieux adaptée à vos besoins. Pour lutter contre le froid, vous pouvez également utiliser des chaussons et des gants. Ceux-ci vous permettront en outre d'éviter les piqûres au fond. Dans la panoplie, on peut ajouter le couteau. Il vous permettra de vous dégager par exemple d'un filet pour le cas où vous seriez pris dedans. Voici maintenant le scaphandre, c'est-à-dire tout cet ensemble. Vous avez ici la bouteille, votre réserve d'air. En haut, le détendeur. Le premier étage est relié au deuxième étage par un tuyau. Au bout, on trouve l'embout, grâce auquel vous pouvez respirer normalement, et ce, quelle que soit la profondeur. Au premier étage, vous trouverez deux autres tuyaux. En suivant le premier, vous trouvez un manomètre. Celui-ci vous indique la quantité d'air qui se trouve dans votre bouteille. Elle s'exprime en barres. La zone rouge, comprise entre 0 et 50 bars, vous indique que vous êtes sur la réserve. Le troisième tuyau est relié à la jaquette. On dit également stab. Ce tuyau permet de gonfler cette jaquette. C'est donc une bouée. En appuyant sur ce bouton, vous gonflez la jaquette. En appuyant sur celui-ci, vous la dégonflez. Vous pouvez également, tout en appuyant sur le bouton et en soufflant par cet orifice, gonfler votre jaquette. C'est bien pratique en cas de panne d'air. Lorsque vous serez sous l'eau, ne touchez plus à rien. Laissez faire votre moniteur. Avant de vous mettre à l'eau, il reste une pièce essentielle à vous présenter, la ceinture de plomb. Le bon équilibrage est obtenu lorsque vous descendez sur une expiration, alors que vous êtes entièrement équipé, mais sans le scaphandre, c'est-à-dire bouteille, jaquette, détendeur. Le lestage est en effet une opération d'autant plus importante que votre combinaison est épaisse. Fabriquée en néoprène, sa structure renferme des bulles d'air. Il en résulte une augmentation de la flottabilité que la ceinture de plomb doit compenser. Écoutons, Monsieur Archimède, pour nous énoncer le principe de la flottabilité. Tout corps plongé dans un liquide reçoit une poussée verticale dirigée de bas en haut. Cette poussée est égale au poids du volume de liquide déplacé. Dans l'eau, notre corps flotte ou s'enfonce, selon qu'il pèse plus ou moins que le volume d'eau qu'il déplace. Ainsi, en faisant varier le volume de nos poumons, nous faisons varier notre flottabilité. Avant de partir, Carole nous montre comment s'équiper de notre jaquette. C'est une bouée que nous n'utiliserons qu'en surface. Grâce au direct système relié à la bouteille, nous gonflons en appuyant sur ce bouton et dégonflons par pression sur cet autre bouton. Sachez qu'en pressant celui-ci et soufflant de l'air avec la bouche par cet orifice, vous pouvez gonfler votre gilet. Après immersion, vous ne toucherez plus à rien. Laissez faire votre moniteur. Vous voici prêt à piquer votre première tête. Mettez le matériel à l'eau et équipez-vous. Tiens, un petit distrait a oublié ses palmes. Pour cette première plongée, vous allez descendre en tenant la ligne de mouillage. Si le masque a tendance à se coller à votre visage, expirez un peu d'air par le nez. D'autre part, afin de combattre la pression que vous allez ressentir dans les oreilles, pincez votre nez à travers le masque et soufflez comme pour vous moucher. Cela s'appelle la manœuvre de Valsalva. Lorsque vous descendez, la pression dans l'eau augmente et appuie sur vos tympans. Par la manœuvre de Valsalva, l'air passant dans les trompes d'Eustache repousse les tympans. La
pression est trop forte et que vous n'arrivez pas à équilibrer vos oreilles, remontez légèrement tout en faisant une nouvelle manœuvre. Vous pouvez également essayer de déglutir. En raison d'une flottabilité négative, les palmes de Frédéric raclent le fond. Marc, le moniteur, la rejoint pour l'équilibrer. Avec le Direct System, il gonfle la jaquette. Il demande maintenant à Frédéric d'inspirer. Cette action doit la faire remonter. Puis, sur expiration, elle doit redescendre. Pour communiquer dans l'eau, vous allez devoir apprendre un certain nombre de signes. Observez Marc. Il vous rappelle ceux dont vous avez le plus besoin. L'étanchéité de votre masque n'étant pas garantie, vous devez apprendre à le vider. Après avoir fait rentrer un peu d'eau, appuyez sur le haut du masque, soufflez par le nez et penchez la tête en arrière pour évacuer les dernières gouttes. Vous voyez, c'est facile, même si au début vous avez besoin de vos deux mains. Étant parfaitement clair, une petite balade est l'occasion de s'apercevoir que le palmage n'est pas un simple pédalage. Cheville souple, genou légèrement plié, le mouvement part de la hanche, la jambe s'abaisse. Puis, en remontant, la jambe reste tendue. Pour une meilleure efficacité, les mouvements doivent être amples, sans précipitation. Marc présente à Frédéric et Arnaud une ophiure. Cet animal de la famille des étoiles de mer ressemble à un buisson. On le trouve souvent accroché sur une gorgone. Lors des premières plongées, palmage intempestif et appréhension provoquent une consommation d'air élevée. Aussi, votre moniteur reste très vigilant à cet égard. Marc demande à Frédéric ainsi qu'à Arnaud de lui montrer les manomètres. Si l'aiguille arrive à 50 bars, début de la zone rouge, vous êtes sur réserve. Toute la palanquée doit alors remonter. C'est une règle de sécurité. À la remontée, respectez la vitesse indiquée par le moniteur. Respirez librement, ne bloquez pas votre respiration.
Avant de rejoindre la surface, apprenez à écouter, à observer, tout en faisant un tour d'horizon. Un obstacle pourrait se présenter. C'est encore une consigne de sécurité. Au retour, votre moniteur vous explique que le matériel doit être entretenu, rincé à l'eau douce et mis à sécher. Écoutez bien les recommandations. Les couches d'air qui entourent la Terre exercent une pression. C'est la pression atmosphérique qui est de 1 kg par centimètre carré au niveau de la mer. On dit également 1 bar. Les couches d'eau exercent une pression qui augmente de 1 bar tous les 10 mètres. Donc à 10 mètres de profondeur, la pression ambiante, ou pression absolue, est de 2 bar. À 20 mètres, elle est de 3 bar. À 30 mètres, elle est de 4 bar, etc. En plongée, notre corps est soumis à ce phénomène. Vous savez que les solides et les liquides ne sont pas compressibles, mais qu'en revanche, les gaz sont compressibles. Aussi, l'air contenu dans nos poumons et notre abdomen est comprimé au cours de la descente et diminue de volume. Pour les mêmes raisons, nos tympans se déforment, et par la manœuvre de Valsalva, nous équilibrons la pression interne avec la pression ambiante. Cette pression est également responsable des douleurs qui peuvent survenir au niveau des dents ou des sinus. C'est ce qu'on appelle les barotraumatismes. Votre livret comporte un chapitre réservé à ce sujet. Pour cette nouvelle plongée, nous allons oublier le cordon ombilical que représente la ligne de mouillage et tenter un canard. Carole, qui accompagne aujourd'hui Frédéric et Arnaud, nous en fait la démonstration. Arnaud se lance à son tour. Frédéric n'a pas assimilé le geste. Ce sera pour demain. Carole vient la chercher. À l'arrivée au fond, elle équilibre son gilet, puis propose de vérifier la maîtrise du poumon ballast. C'est l'occasion de s'éclater en prenant les positions les plus insensées. C'est en bon ordre que passe alors un banc de petits poissons. Lors de la première plongée, Marc nous a expliqué comment vider notre masque. Sachant qu'un coup de palme malencontreux peut nous arracher ce masque, Carole nous montre la façon de remédier à cet incident. Cet exercice nous permet également d'apprendre à mieux maîtriser la respiration nasale et la respiration buccale.
Insensibles à nos problèmes de respiration, deux gros diodons nous invitent à les suivre. Après le masque, c'est l'embout qu'il faut apprendre à lâcher. Encore un exercice qui doit apporter un complément d'aisance et qui vous permettra de réagir au mieux le jour où vous serez confronté à une panne d'air par exemple. Avant de remettre l'embout en bouche, appuyez sur le bouton surpresseur pour en chasser l'eau. En statique ou en déplacement, ce geste vous apporte l'aisance. Et si la gorge vous pique, vous constaterez qu'il est ainsi plus facile de tousser. Cela donne aussi un plus joli sourire. Dans la foulée du lâcher reprise d'embout, nous allons tout de suite voir son utilité dans le cadre d'une panne d'air. En France, le moniteur est obligé de posséder un deuxième détendeur, sur lequel vous venez respirer en cas de problème. À cause de certaines maladies transmissibles, l'échange d'embout n'est plus au programme. Mais nous pensons qu'il est intéressant de le montrer, car vous pouvez être amené à demander du secours au voisin de palanquer le plus proche. Le partage de l'embout devient alors inévitable. Cette nouvelle simulation se fait maintenant avec le deuxième embout. Arnaud empoigne la robinetterie afin de solidariser le couple. Comme vous pouvez le constater, une panne d'air implique la remontée de toute la palanquée. Pour information, nous vous signalons que les Américains obligent tout plongeur à posséder un deuxième embout sur le direct système de leur jaquette. C'est une solution sans doute onéreuse et qui va dans le sens de la sécurité. Avant de poursuivre les exercices, il est bon de vérifier la quantité d'air restant dans les bouteilles. Nous avons vu que la pression augmente avec la profondeur. Nous avons vu que l'air est un gaz compressible. Observez les bulles qui s'échappent de votre détendeur et voyez comme elles augmentent de volume durant leur ascension. On peut donc en déduire que le volume d'air augmente lorsque la pression diminue. C'est ainsi que M. Mariotte nous dit « Le volume d'un gaz est inversement proportionnel à la pression qu'il reçoit ». En raison de la loi de Mariotte,
L'air contenu dans vos poumons se dilate au fur et à mesure que la pression diminue lorsque vous remontez. Ainsi, 5 litres d'air à 10 mètres donneront 10 litres en surface. C'est pourquoi vous ne devez jamais bloquer votre respiration en remontant. Vos poumons n'étant pas un caoutchouc, vous risquez une surpression pulmonaire. Cet accident se traduit par une déchirure des alvéoles pulmonaires, entraînant une pénétration d'air dans le flux sanguin. Un exercice de remontée en expiration contrôlée permet de mettre en évidence ce phénomène de dilatation. Bien entendu, cela doit se faire sous le contrôle du moniteur. Après avoir pris une bonne inspiration, il s'agit de remonter en expirant régulièrement au fur et à mesure que l'air se dilate. En bout tenu à la main, tête en arrière pour dégager la glotte, vous pouvez fredonner une note. Les dernières spécifications en la matière préconisent de garder l'embout en bouche. Cette troisième séance va nous apporter le complément de formation qui doit parfaire notre apprentissage. Parlons d'abord de la mise à l'eau. Le saut droit est tout indiqué lorsqu'on doit rejoindre le lieu de plongée depuis un ponton ou un quai. Une main tient le masque et l'embout, l'autre main tire la jaquette pour empêcher la bouteille de remonter. Regardez le ciel, faites un pas de loi, puis entrez dans l'eau, jambes réunies. Depuis une petite embarcation, la mise à l'eau peut se faire par bascule arrière. Une main tient le masque, l'autre tire la jaquette vers le bas. Laissez-vous basculer en arrière, les jambes réunies. Marc a repris la tête des opérations et nous fait un canard. Arnaud le suit, ainsi que Frédéric, gêné par quelques problèmes d'oreille. Frédéric est ressorti pour mettre la veste de sa combinaison. Pourquoi ? Il faut savoir que la perte de calories est beaucoup plus importante dans l'eau que dans l'air. La combinaison emprisonne une couche d'eau qui se réchauffe au contact du corps, procurant ainsi une excellente isolation. Suivant la procédure désormais classique, Marc équilibre ses élèves. Vient ensuite le rituel du vidage de masque. Avant d'effectuer de nouveaux exercices, profitons de ce lieu réputé, le diamant.
Nous vous rappelons que les échanges d'embout ne sont plus préconisés, mais que la présence d'un deuxième détendeur est obligatoire pour le moniteur. Ici, Frédéric simule une panne d'air. Marc lui porte secours au plus vite, lui montre l'embout à prendre et lui indique qu'ils vont se diriger vers le bateau. Comme vous pouvez le comprendre, pour acquérir la plus grande aisance possible, ces exercices doivent être exécutés non seulement en statique, mais surtout en déplacement. Ici, Frédéric est acteur de son propre sauvetage. Ce n'est pas tous les jours que vous rencontrez un capitaine. Aussi, vous n'êtes pas décidé à louper celui-ci et partez comme une flèche à sa poursuite. Ce palmage intensif provoque une accélération de votre rythme respiratoire et bientôt un essoufflement. Sachez qu'avec la profondeur, celui-ci peut devenir difficile à combattre. Aussi, méfiez-vous de tout effort intensif. En cas d'essoufflement, avertissez le moniteur par ce geste. Cessez tout mouvement et surtout expirez à fond pour chasser l'excès de gaz carbonique responsable de cette affection. La plongée est alors interrompue et le moniteur fait remonter la palanquée. Nous savons maintenant que la remontée doit se faire sans précipitation pour éviter tout problème de surpression pulmonaire. Sa vitesse ne doit pas excéder 15 mètres par minute. On peut la mettre en évidence si l'on dispose d'une montre et d'un profondimètre. Marc explique qu'en relevant la tête et en suivant les plus petites bulles qui l'entourent, on est à la bonne vitesse de remontée. Soyez persévérant, regardez bien votre moniteur. Après quelques essais, vous trouverez la bonne vitesse. Il est une autre raison pour laquelle nous devons respecter cette règle. Pendant la plongée, notre organisme subit des transformations et s'adapte à la profondeur. Lors de la remontée, il se modifie de nouveau pour revenir à son état de départ. Afin de passer en douceur du monde aquatique au monde aérien, il est impératif de ne pas dépasser la vitesse de 15 mètres par minute, tout comme il est vivement recommandé d'effectuer dans tous les cas un arrêt ou palier de 3 minutes à 3 mètres. À l'issue de ce palier, la vitesse de remontée jusqu'à la surface ne doit pas excéder 6 mètres par minute. D'une façon générale, ce palier se fait au pendeur, c'est-à-dire près de la bouteille qui est accrochée sous le bateau. Cette bouteille est également une réserve d'air, en cas d'épuisement de la vôtre pendant ce palier.
La courbe qui apparaît maintenant vous permet de visualiser les durées et les profondeurs possibles, sans faire de palier, sinon celui de 3 minutes à 3 mètres. Bien entendu, à l'issue de cet arrêt, ne pas oublier un tour d'horizon avant de faire surface. Que cette cassette vous donnera l'envie de rejoindre un club et d'y obtenir votre brevet de niveau 1. Vous pourrez alors, comme nous, faire des bulles en toute sécurité, en attendant peut-être de passer le niveau 2.